just love me. Bonjour à tous, bienvenue sur OCTV épisode 4. Nous serons pendant tout cet épisode à la Gamer Assembly 2007 située à Poitiers. Bonjour Silou. Bonjour Trouf. Bonjour Snoop. Ça va bien? Salut. Oui, effectivement, il y a une bonne ambiance ici. Là, on est un peu tôt le matin, donc la plupart des joueurs sont partis faire du dos. Ça va aussi que c'est des joueurs de CS, donc ça se comprend. Je comprends. Donc nous on est là, fin prêt, dès 8h30 du matin, pour se remettre à ouvrir clôturer comme il faut et essayer de battre à nouveau de quelques records du monde. Bonjour, nous aurons quelques questions pour le site centremossé.net pour le magazine OCTV. Pour ou contre le Nutella en LAN? LAN, est-ce que vous êtes pour ou contre le Nutella? Pour, bien sûr. Pour le Nutella? Vous, monsieur? Ça colle. Ça colle le Nutella, madame? C'est gras. C'est gras? Non, c'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon du tout. Ah. Il faut arrêter la base. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Demandons à notre groupe de sujets pour savoir si le Nutella est mauvais ou pas en LAN. Bonjour monsieur, excusez-nous, vous voulez ranger, bon appétit. Est-ce que vous êtes pour ou contre le Nutella en LAN? Contre. Contre le Nutella? Vous, madame? Contre aussi? Non, pour. Pour? Pour. C'est bien ça, il y a au moins une personne pour. Vous monsieur, pour ou contre le Nutella en LAN? Pour. Pour, bien sûr. Et ben voilà, autre question. Pour ou contre les croissants et le Nutella en LAN? Alors pour ou contre, tout dépend si c'est ton PC ou si c'est pas ton PC. Si tu connais les mecs avec qui tu joues en LAN ou si tu les connais pas. Si tu les connais, pour, comme ça, ça peut vite dégénérer, ça peut être très marrant. Mais ça, c'est seulement si c'est pas ton PC. Wide awake again. Radio, it says it's 10:30. He says he wants to live, but is not quite sure what that means. He holds the peace so close he'll never see. But there's doubt and there's fear. There is overwhelming, thought-provoking fear. He knows that he's near. If I could catch a glimpse, I'd see it through these tears. Fast asleep again. The radio says 100 dead. His dreams are so predictable. Each night they play out the same. But this time is to fight the fall and hero lands the plane. As the TV host starts news that all is well in our world. So we walk this line for the final time. Thanks for what we have learned. There's doubt and there's fear. There is overwhelming, thought-provoking fear. He knows that he's near. If I could catch a glimpse, I'll see it through these tears.
que c'est exactement que l'overclocking? Alors l'overclocking, c'est juste le fait de pouvoir dépasser les limites matérielles d'un matériel informatique, c'est-à-dire par exemple dépasser la fréquence à laquelle est vendu un processeur. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Augmenter les performances, et puis c'est un petit peu le jeu de qui c'est qui a la plus grosse. Ah, j'aime bien celui-là aussi. Mais tout le monde le fait un petit peu. Et comment vous faites ça alors? Alors il y a beaucoup de techniques différentes pour le faire, je vais essayer de faire très simple. On augmente juste des caractéristiques du processeur par exemple, on va se fixer sur les processeurs. On a le FSB et le coefficient, c'est juste deux trucs qui donnent la fréquence. On augmente juste cette fréquence en changeant quelques paramètres, et pour cela on utilise différents refroidissements. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux allumer le micro de Cyril? Oui. Alors ce week-end, vous aviez un objectif, c'était de battre un record. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était ce record? Oui, en fait, on devait battre le record de fréquence d'un quad-core. Alors qu'est-ce que c'est qu'un quad-core, hein? Alors, en gros, c'est un processeur. C'est quatre processeurs dans un seul processeur. Ah d'accord, c'est une bête de course. C'est une bête de course, ça c'est clair. Voilà. Donc en fait, on avait...